干啥的不怕别太牛其他俩的是吓Et ça, à partir de l'échelle de dedans, c'est une grande crevasse. Et ce sont des misères d'un poids, poids comme kilo, comme ça peut être montant, ça n'est rien. Ce sont des misères, c'est une table coranique. C'est ouais, ça ouais. Avec la gomme arabique et la gomme arabique et l'échelle. Elle a bien été. Ce sont des marmites. C'est un soufflage pour des feux. Un soufflé, oui. Ce sont des pierres que les gens trouvent dans le désert. Ce sont des bracelets pour les femmes qui mettent aux chevilles. Ah oui, c'est vrai. Ici, au pied, aux chevilles, par là-bas. Uh-huh. Et quand ils marchent, ah oui, c'est très... c'est, quand ils marchent, ça devient comme une cloche. Un jeu traditionnel pour les femmes. C'est un mikado. On a comme ça. Un jeu comme ça, donc. 1, 2, 3, 4, 5. On a un jeu avec des cochons, c'est bébé. Comment ça s'appelle? Sig. Ce sont des chaussures. Uh-huh. C'est un tailleur. C'est un sel de chameau pour les gens. Pour les gens. Et pour femmes, c'est pas la même pour les femmes? Pas la même pour les femmes, il est bas. Ah. C'est plus large que ça. C'est pour les femmes gavées, quoi. Les femmes gavées, okay. C'est-à-dire ouais. Ah il faut de la place, il leur faut de la place. Ouais, un grand siège. C'est courant Il y a beaucoup de femmes gavées Oui, avant c'était beaucoup. Maintenant ça a diminué un peu, mais toujours il y a quelques-uns qui habitent en Brousse qui font toujours le gavage de la femme pour être belle, quoi. Ah oui, c'est vraiment c'est un signe de beauté. Oui, c'est pour c'est nous, vraiment... c'est une racine de beauté quand la femme est géante. Donc on gave les femmes pour qu'elles soient belles. C'est un symbole de... Ça pour le thé, ça pour le cycle, ça pour le thé. Donc on peut voir la salle de lecture. Les gens viennent consulter ces livres. Oui, oui. Ils servent donc, de document de travail. De... Oui, le fondateur a laissé dans son testament... la bibliothèque de Kidjabesh Unity doit rester toujours là. Le conservateur doit être toujours membre de la famille Habot, je suis de la famille. Et la bibliothèque doit être ouverte à la disposition des demandeurs de savoir. Tout le monde peut venir, il y a toujours. Ça, c'est un manuscrit du 13e siècle sur la théologie. Les couleurs faisaient avec le charbon et la gomme arabique, le rouge, le noir. Le rouge, c'est l'oxyde de fer. Le bleu c'est l'indigo et le jaune c'est de l'or. Donc celui-là je vous montre l'original. C'est magnifique. Vous mettez des gants pour prendre les originaux. Oui, pour pas les abîmer parce qu'il y a de l'acide. Ouais. Moi aussi j'ai fait une formation sur la conservation des livres cette année au Maroc, durant un mois. C'était donné par l'UNESCO. Donc j'ai fait la restauration manuelle, mécanique. Nettoyage du papier. Ça, c'est un manuscrit sur l'astronomie. C'est les phases de la Lune. Le système solaire avec 9 planètes. Ici, il considérait la Terre comme le centre de l'univers. 15e siècle. Avant Galilée. Ça, c'est l'éclipse lunaire. L'éclipse solaire. Aujourd'hui, il y a 4000 habitants à Chingiti. Avant, c'était 25 000. C'était un lieu de départ pour les pèlerins qui vont aller à la Mecque. Ils se réunissent à Chingiti pour préparer leur pèlerinage. Parfois, 32 000 chameaux qui traversent le Sahara. C'était aussi un centre caravanier qui reliait les commerces entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. L'ancienne ville, c'est Abouer. Situé à 3 km d'ici, vers l'est, et la ville totalement ensablée, on ne voit plus rien. Oui, créée 160 de l'Égypte, 8e siècle. Et la deuxième ville, c'est Chingiti D, où on a la mosquée, qui date du 13e siècle. Et Chingiti est considérée comme la 7e ville sainte de l'islam, après Mecque, Médina, Jérusalem, Kairouan, Bagdad, Fès et Chingiti. Donc c'était très important à l'époque
un centre religieux et commercial. Mm-hmm. Et pour cela, aujourd'hui, la ville compte 12 bibliothèques, mm-hmm. 4000 manuscrits. Ça fait longtemps que vous êtes à l'UNESCO, enfin, oui, en 1981, la bibliothèque. Ah, ça fait plus. Ah ouais, 26 ans. La bibliothèque. Et vous avez toujours pas reçu d'aide ? Non, pas beaucoup. Depuis 25 ans, la famille a reçu des cartons par l'ambassade de France, ouais. Les armoires par l'ambassade d'Allemagne. Et pour lutter contre les termites, on met de la naphtaline dans les armoires. Il y a de l'eau versée dans les seaux à côté pour l'humidité, pour garder un peu d'humidité. Et la construction, c'est toujours avec des pierres sèches et larges. Les plafonds aussi, c'est les troncs des palmiers, les feuilles des palmiers. Pour garder la fraîcheur, ça isole un peu. Oui, en été, il fait très très chaud, 40-45 degrés. Et souvent aussi, il y a des chercheurs qui viennent, font des conférences sur le manuscrit, sur l'histoire de la vie. Et oui, donc on va regarder les musulmans, mais quelle année ? 622, donc lorsque le prophète quitte Mecque vers Médina. Donc cette année-là, nous on dit on est en 2007, et pour vous, l'année c'est 1428. On est en 1428.